Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec deux super interlocuteurs. Donc Nathalie Dess et Clément Guérin, que je vais présenter juste après, pour vous parler justement de la télé au sein d'un mix média global. Alors, où est-ce qu'on en est, effectivement? Okay. Le principe aujourd'hui, c'est évidemment que je pense que tout le monde a conscience que la télé, elle a évolué, que la télé aujourd'hui, on peut de plus en plus la mesurer. Quand hier, c'était vraiment un média purement où on allait chercher de l'audience. Aujourd'hui, c'est un média où on va chercher de plus en plus de ROI. Et on se rend compte de plus en plus que finalement, nous, après avoir mesuré plus de 1500 campagnes, on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 350 marques, qu'il y a quelque chose qui reste dans les esprits, c'est que la mesure de la télé, la mesure de la performance, le fait de pouvoir optimiser au-delà de l'audience, c'est quelque chose qui est réservé purement en fait, aux pure players, aux annonceurs très héroïstes. Donc aujourd'hui, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est plus tout à fait vrai. Nous aujourd'hui, on travaille avec tout type de marques qui font soit du branding, soit des campagnes de performance, qui sont des annonceurs pure player, des annonceurs qui investissent historiquement en télé. Et notre métier, c'est de permettre à toutes ces différentes catégories d'annonceurs de les faire gagner, de les faire monter sur le podium de leurs catégories respectives. Et finalement, quand on regarde un peu le cas de chacun de ces annonceurs, c'est un peu l'équivalent dans le sport de catégories différentes. Évidemment, un sprinter ne s'entraîne pas pareil qu'un marathonien, mais finalement, l'utilisation de données similaires peuvent permettre à toutes les catégories de gagner. Donc on a deux champions dans leur catégorie que je vais tout à l'heure laisser parler, évidemment. Mais quelques mots sur chacune de ces catégories. Alors le premier cas, ce sera un peu le sprinter. Le sprinter, c'est quoi? C'est un annonceur qui serait purement héroïste. Alors lui, dès qu'il change une petite position, évidemment, il va gagner quelques centièmes. Là, on est sur des annonceurs avec lesquels on va pouvoir travailler vraiment de manière quasiment temps réel. Donc on va venir analyser jour après jour les performances de leurs spots, on va regarder leurs coûts d'acquisition, mais aussi leurs coûts par conversion, on va regarder vraiment très loin dans la data. Donc ça, c'est le cas qui paraît à peu près logique, évident. Mais on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle des biathlètes. Hein, donc c'est un annonceur qui aurait finalement des problématiques qui soient entre le online et le offline, donc le fait de générer des visites sur site, de la conversion, mais aussi des visites en magasin. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces annonceurs-là, on a vraiment les outils pour les aider parce qu'on est en mesure de venir géolocaliser les gens qui réagissent à des spots de télé spécifiques, donc pour comprendre finalement où est l'audience qui potentiellement va derrière aller en magasin. On va venir comprendre si les GRP qu'on achète, donc l'audience qu'on a visée, est finalement l'audience qu'on arrive réellement à toucher. Ça, on peut le faire parce qu'on peut aujourd'hui comprendre quelle est la catégorie socio-professionnelle, quel est l'âge, quel est le genre. Est-ce que les gens que je capte sur mon site en campagne de télé sont des gens qui sont déjà clients de la marque? Et puis, on a le cas du marathonien qui est là, pour le coup, le cas d'un annonceur qui serait 100% branding, 100% off quasiment, qui n'a pas d'intérêt à faire venir du monde sur son site internet. On se rend compte quand même qu'il y a énormément de choses qu'on peut regarder. On peut étudier l'effet de rémanence, l'effet sur le business à long terme. On peut venir sonder des gens qui ont été exposés à un spot télé. On peut venir surtout regarder que, à GRP égal, si sur un mois de campagne télé, j'achète un GRP sur une chaîne et un GRP sur une autre, mais qu'une chaîne me ramène trois fois plus de personnes sur mon site, même si la valeur absolue de visite que j'ai générée sur mon site peut être potentiellement très faible, les écarts relatifs entre chaînes sont vraiment des enseignements à valeur très ajoutée. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on a la chance d'avoir donc Nathalie Dess, qui est responsable digital média FDJ, Clément Guérin, directeur digital marketing chez Wigo, j'ai le plaisir de pouvoir les avoir avec moi pour répondre à quelques questions. Et avant d'écouter leur témoignage, on va regarder les vidéos de leurs films respectifs. FDJ dans un premier temps. C'est ça que t'allais dire. Alors je suis peut-être moche, mais moi au moins pour 50 centimes, je peux te faire gagner 500 euros. Tu peux faire gagner combien toi? Rien? Ah, bah c'est bien ce qui me semblait. Mort pur et de retour, c'est toujours pas un cadeau, mais c'est 50 centimes d'euros. Chaque jour est une chance. FDJ. Donc c'était pour la vidéo FDJ, et puis je devrais... Voilà. Voyagez en train à 300 km/h à partir de 10 euros. Rendez-vous sur Wigo.com. Wigo, let's go. Alors, peut-être honneur aux femmes, Nathalie.
Je voulais te poser la question, et puis je pense que c'est ce qui va intéresser aujourd'hui l'audience. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez pris la parole en télé? Pourquoi vous prenez la parole en télé? Et pourquoi vous avez eu le sentiment qu'un analytics télé allait vous aider? Alors bonjour à tous, déjà, pour commencer. Alors vous avez remarqué sur le spot, nous on n'a pas de signature digitale, donc effectivement on est dans la catégorie que exposait précédemment Pierre, des marathoniens, où effectivement nous on fait beaucoup de branding. Notre objectif en faisant de la télévision, c'est de faire du recrutement en fait, c'est vraiment de stimuler notre bassin de joueurs. Effectivement on a, quand on prend la parole en télé, notre priorité c'est vraiment d'aller générer du trafic en point de vente, d'aller chercher des profils plutôt de joueurs soit occasionnels, donc qui viennent que sur des gros jackpots par exemple, soit des abandonnistes, des gens qui jouaient auparavant et qui ont arrêté de jouer, probablement parce qu'ils ne gagnaient pas assez, et également des profils de non-joueurs. On a plusieurs offres à leur proposer. On a soit les tirages exceptionnels qu'on pousse en télévision, par exemple à l'occasion d'un vendredi 13. Donc ça, on sait que ça génère beaucoup de joueurs occasionnels et que ça réactive également des joueurs abandonnistes. Par ailleurs, on a l'offre de grattage. Donc là, c'était l'exemple de Morpion, par exemple, sur lequel en fait, on arrive aussi à beaucoup recruter de joueurs sur des mises faibles, comme là le cas de Morpion avec du 50 centimes. Et notre objectif, c'est de revaloriser aussi les gains intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de manière occasionnelle à des gros tirages. Mais gagner 500 euros aussi, ça peut être sympa et ça permet d'avoir des projets. Donc notre objectif quand on fait de la télévision, c'est de faire de la couverture sur cible. On utilise le digital pour faire du complément de couverture sur cible, puisque sur le digital, on arrive à capter aussi quelques cibles plus jeunes, ce qui est moins le cas en télévision sur nos plans qui sont quand même principalement sur des chaînes hertziennes. Hertziennes parce que ça nous permet vraiment de massifier notre couverture. Pourquoi on a décidé d'utiliser un outil de tracking? C'est d'abord, on va être très honnête, dans un objectif d'étude. En fait, aujourd'hui, à la FDJ, on fait de l'économétrie et ça nous apporte un certain nombre d'enseignements. Ça nous permet de faire du cadrage budgétaire tous les semestres. Seulement tous les semestres parce que notre bassin de joueurs, il est en point de vente, il est mesuré par des baromètres mensuels. Donc, on n'a pas, évidemment, cette réactivité qu'on peut avoir en digital. Et par ailleurs, du coup, cette économétrie, les modèles économétriques nous permettent d'ajuster les niveaux de pression aussi, et bien sûr de travailler sur le mix des canaux offline. Le souci avec l'économétrie, c'est que comme notre business il est à 90% en point de vente, bah, tout ce qui est généré sur le digital comme business est un peu noyé finalement dans le modèle. Donc ça ressort assez peu les ROO, comme on les appelle, les résultats sur objectif. Donc ça nous permettait, le tracking télé, d'avoir une vision complémentaire et de revaloriser l'impact de la télé sur notre business digital. L'idée aussi, c'était d'opérer un petit changement de culture aussi via le tracking télé. C'était aussi une manière d'insuffler un peu plus de culture perf dans l'achat média offline et branding. Ça ne s'oppose pas finalement. Et aussi un autre point qui était intéressant avec la solution Admo, c'est que comme d'un point de vue statistique et algorithmique, en fait, la construction des baselines est dynamique, ça permettait de plugger la solution rapidement, de ne pas avoir besoin de stocker énormément de données en amont de la campagne pour construire la baseline. Et nous, en fait, avec des jackpots à 10 millions, 15 millions, eh bien, on a des pics d'activité qui sont énormes et qui ne sont pas, qu'on ne peut pas prédire, évidemment. Et donc, ça permettait de mieux isoler cet effet-là. Voilà. Merci. Je te pose la même question, Clément. Donc, bonjour à tous, déjà. Donc, je crois que tu as déjà tout dit. Donc, non, je rigole. Non, non, bien sûr. Donc nous, pourquoi on fait de la télé aujourd'hui? Alors, il faut savoir que Ouigo, c'est une marque jeune. Ouigo a 5 ans, on a fêté son anniversaire en septembre dernier. Du coup, on a un besoin vraiment de faire connaître notre offre, faire savoir qui on est. Il faut que les clients connaissent la différenciation entre Ouigo et les autres trains, Intercité, TGV Nuit, etc.,
On doit faire connaître nos nouvelles gares, parce que jusqu'à maintenant, Ouigo, c'était uniquement des gares bis, donc on partait en dehors des gares principales, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc on a ouvert Gare Montparnasse, on a ouvert Gare de l'Est, et on ouvre Gare de Lyon, là, en décembre. Et voilà, après, il y a tout un univers autour de Ouigo, du TGV low cost, c'est encore assez nouveau, et aujourd'hui, les gens ne connaissent pas encore la différenciation. Ce qui est important aussi, du coup, c'est de faire d'augmenter notre notoriété spontanée et assistée. Ça, c'est assez classique, mais aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont encore assez faibles. Et du coup, c'est très important pour nous de monter là-dessus. Et c'est aussi important d'éviter la confusion de marque qu'il peut avoir entre tout l'environnement Ouigo. Aujourd'hui, on a Ouigo, Ouigo SNCF, Ouigo Car, Ouigo Bus, TGV Inuit. D'ailleurs, je ne sais pas si à main levée, là, qui connaît la différenciation entre toutes les marques du groupe SNCF ? Je pense qu'il y a 5 personnes. Donc voilà, il y a énormément de travail à faire là-dessus et du coup, la TV nous sert énormément là-dessus. Pourquoi un outil analytics ? C'est important pour nous de connaître l'impact du digital en temps réel, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On a fait notre première campagne TV traquée en septembre. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir agir sur les campagnes SIM, marque et RTB, donc display RTB, pour pouvoir vraiment faire de la surpression et être sûr de choper l'internaute quand on fait nos campagnes TV. Et c'est important aussi pour nous d'avoir une vision globale de tous les plans médias, de l'écosystème SNCF. Aujourd'hui, il y a toutes les entités font de la pub, et via un outil comme ça, on peut vraiment confronter toutes les entités. Merci. Alors, après avoir justement étudié les effets de vos campagnes télé, quels enseignements vous avez pu en tirer globalement et aujourd'hui, comment vous pilotez vos investissements en télé, Nathalie ? Sur les campagnes de la FDJ, en fait, on va activer cette année 4 fois Admo. Donc deux fois sur des campagnes de tirage, donc un vendredi 13 et sur la fin de l'année, le grand loto de Noël. Et deux sur des problématiques de grattage où les campagnes sont plus longues. Il n'y a pas un rendez-vous avec un tirage exceptionnel. C'est sur des campagnes plutôt de 6 semaines. Donc du coup, les comportements sont évidemment pas les mêmes. Et surtout, on avait aussi une problématique un peu particulière sur un de nos jeux de grattage qui s'appelle Goal Maxi Goal. Potentiellement, ça avait des impacts aussi sur les campagnes Parions Sport. Moi, je ne gère pas cette marque, c'est une autre BU. Et donc, on se disait qu'il y avait potentiellement des impacts aussi croisés entre les deux. Donc, ces 4 vagues Admo, ça nous permet de construire un petit peu des standards, déjà, avec ce qu'on fait et constater comment, du coup, la télévision agit sur le digital. Aujourd'hui, on a un incrément à peu près de visite d'1,5%. Donc, bon, bah, c'est la valeur absolue, ok, on la prend comme telle. Et en fait, ça démontre toujours quand même que ça revalorise du coup le digital par rapport à l'impact du branding sur ce business-là. Et aussi, ça permet de mettre en perspective l'impact que ça peut avoir sur le nombre de téléchargements de nos applis, parce que ça, aujourd'hui, c'est typiquement une variable qui n'est pas modélisée dans notre modèle économétrique. Donc, il y a un certain nombre d'enseignements un peu communs quand même dans nos différentes vagues Admo qui sont, je sais que mes spots day and night sont assez rentables. Par ailleurs, je sais aussi que communiquer en fin de semaine sur notre business, ça fonctionne mieux. Il y a certaines tranches horaires aussi qu'il faut favoriser. Et du coup, ça m'a donné l'idée que probablement que ce serait intéressant de tester en fait et de segmenter nos spots avec certains spots avec signature digitale et d'autres non. Je pense qu'il y a vraiment des spots qui agissent de manière très intense sur le branding, la notoriété, la considération, typiquement ce qu'on peut faire sur TF1. Et on a d'autres spots, du coup, plus perf, quand on est plutôt en TNT, par exemple, sur lesquels on pourrait tester voir comment ça agit sur notre incrément de visite de rajouter une signature digitale.
Clément, je te pose la même question. Ouais, donc nous, c'est assez, ça reste encore assez jeune, hein, comme la première campagne était en septembre. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que ça diffère énormément entre les programmes et en fonction des heures. Aujourd'hui, on n'était que sur la TNT et sur un programme spécifique, on a pu voir un incrément de 15% au maximum. Donc, qui est dans les standards. Ouais, c'est dans les standards, mais par rapport à ce que tu pouvais dire, c'est quand même assez. On va attendre 10 alors. Oui, voilà. J'ai déjà 1,5 si toi tu fais 15. Exactement, ouais, on va partager nos best practices là-dessus. Mais non, vraiment sur un seul programme en particulier, à une heure de pointe, on a réussi à monter à 15%. Puis il y a les effets de pic et les effets d'apport global, puisqu'évidemment, on a tout le temps des impacts post-spot pendant quelques minutes qui peuvent être très intenses. Et puis, ramener à l'ensemble de la campagne et à son trafic naturel, entre guillemets, on n'est pas forcément dans la même échelle, tout à fait. Ouais, exactement. Après, sur le pilotage des investissements, bon, c'est vrai que là, je pense qu'il y a il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire qu'on pilote aujourd'hui en amont de la campagne, on prépare le plan média avec l'agence, et après, on valide en fonction d'une estimation de GRP. Mais ça, justement, c'est amené à évoluer, et je crois qu'on va en parler juste après. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je pense que je ferai un petit mot là-dessus à la fin. Et donc, quand on fait de la télé, évidemment, on achète en parallèle du digital. La télé a un impact sur le digital, c'est un impact sur le search, c'est un impact sur la conversion, sur l'acquisition. Aujourd'hui, comment vous faites pour faire cohabiter vos investissements télé avec vos investissements sur le digital, Nathalie ? Alors aujourd'hui, on n'a pas décidé de bouger nos investissements avec ce qu'on a étudié avec Admo. Je pense qu'il nous manque encore un bout d'études à réaliser. Et je pense que pour faire ça, il faut absolument qu'on capitalise sur cette data. C'est-à-dire que là, on arrive à cookifier finalement des contacts télé. Donc l'idée, ce serait d'intégrer ces contacts à notre DMP, d'analyser leur comportement dans le temps. Est-ce que ce sont des contacts qui finalement ne vont venir consommer du digital uniquement pour, par exemple, consulter les résultats des jackpots ? Ou alors, donc, est-ce que c'est juste un support à ce qu'ils peuvent réaliser en point de vente ? Ou alors, est-ce qu'il y a une appétence pour vraiment devenir un client du digital et du coup créer un compte ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce segment de contact télé, je pense que notre volonté, ce serait de l'intégrer à notre modèle d'attribution. Alors, bien sûr, on ne mettrait pas un poids aussi important à un contact télé qu'à un clic sur AdWords, mais ce sera encore une manière de démontrer l'écosystème en place et l'impact croisé que ça peut avoir. Et puis, in fine, mais ça, je pense que Pierre en parle peut-être à la fin, mais on a cette vision très macro de l'économétrie, la vision plus micro sur le tracking télé. Je pense qu'on a besoin de réconcilier aussi ces deux mondes-là de mesure pour avoir des vrais enseignements opérationnels et qu'ils ne soient pas juste énergie douce, c'est hyper rentable, je vais faire que du énergie douce. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en tout cas avec des problématiques très branding. Et ouais, je vais faire un petit mot là-dessus. Clément ? Oui, donc je rejoins Nathalie sur ces points. Aujourd'hui, nous, les investissements TV sont décorrélés des investissements digitaux. Donc le but, c'est vraiment de sortir de ces silos et d'avoir qu'un seul budget market global. Et si je veux parler des next steps de notre côté, je pense qu'il faut vraiment élargir et pouvoir ajuster vraiment au spot à spot. On sait que l'achat média TV en RTB se développe de plus en plus. Ça existe déjà en catch-up. Je crois qu'en France, c'est encore interdit sur le direct, mais c'est déjà live aux États-Unis et en Angleterre, je crois. Ça commence, enfin, je te laisserai expliquer là-dessus. Et du coup, voilà, on veut vraiment pouvoir gérer une campagne TV comme on gère une campagne en display RTB aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi sortir de la télé et aller vers les campagnes out of home, donc sur les écrans digitaux. Aujourd'hui, il y a Clear Channel en France et JC Déco qui sont très présents. Je pense qu'il faut vraiment allier géolocalisation et personnalisation de messages, pardon. Pour pouvoir impliquer encore plus l'internaute.
Et voilà, globalement, pour rejoindre Nathalie, il faut vraiment sortir de cette logique GRP, socio-démo, et pouvoir suivre la lifetime value de notre internaute que l'on aura en basé au sein de notre DMP. Alors bah justement, je pense que je vais un petit peu parler de ce sujet. Merci pour la transition. Comme je le disais, la télé, et c'est un peu finalement ce que tu viens de dire, hein, elle a été pendant longtemps analysée en silo. Les analytics télé, hein, je rappelle le principe, on détecte qu'un spot est diffusé en télé. De l'autre côté, on vient taguer le site de la marque, son application. On vient remonter en temps réel les données de visite et de conversion. Et via des algorithmes, on est capable de comprendre, un, les effets incrémentaux en termes de gains de trafic qu'on a quand on est en télé, ce qui nous permet de ranker les chaînes, les heures, les moments les plus pertinents pour nous. Mais ça nous permet aussi de faire une attribution de gens qui ont été exposés à la télé pour suivre le parcours de ces gens-là, pour mesurer sa conversion dans le temps. Et en fait, ça devrait nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour 2019, on a identifié un certain nombre d'enjeux en télé. Le premier étant, comment je fais pour intégrer la télé dans mon funnel d'acquisition ? Et ça, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu fait, et finalement, qui même dans le digital est en train d'arriver de plus en plus. Pendant un certain temps, on était tout le temps sur le last click en digital, même en digital. Et de plus en plus, aujourd'hui, on a accès à des outils de mesure d'attribution, de mesure de contribution. Et finalement, la télé, c'est un média qui est extrêmement puissant, qui vient amener des effets majeurs sur son business global. La télé, c'est un média qui peut être très initiateur, donc plutôt en début de funnel. Ça peut être aussi un média de conversion en fonction de la manière dont on va organiser son plan télé. Mais ça, globalement, si on ne le sait pas, on est en train de finalement attribuer des effets à des leviers digitaux qui ne sont pas forcément les bons, puisqu'on a omis d'intégrer la télé à ça. D'ailleurs, si on regarde un certain nombre d'analyses, si on regardait les outils d'attribution télé, attribution digitale, etc., à la fin, on aurait deux fois plus de clients que ce qu'on a réellement. Donc, comment on fait pour vraiment comprendre la part de chacun des médias ? Aujourd'hui, de plus en plus, la segmentation télé, on vient l'intégrer dans les outils des marques, donc les DMP, les outils de mesure d'attribution, de contribution, les CRM, et finalement, on va donner un poids aux médias télé, comme disait Nathalie, ce poids en fonction de la réalité de son plan, il peut être plus ou moins important. Ça va être aussi dépendant des modèles qu'on utilise, si c'est un poids qu'on met en statique ou c'est un poids qui est dynamique, mais c'est de plus en plus important de le faire. On peut le faire en natif dans des outils type Google, mais on peut s'intégrer, on a des acteurs type Masberry ou Visali qui font très bien ça, à qui on peut nous exporter une data télé qui nous permet vraiment d'avoir une vision de plus en plus complète. Alors comme tu disais, Nathalie, et d'ailleurs je reprends aussi la partie OH dont tu as parlé, il y a deux façons de regarder les impacts globaux apportés par des médias, et notamment les médias off sur le trafic online. Donc la télé et l'OH, par exemple, aujourd'hui, évidemment, il y a des effets qu'on peut mesurer de manière économétrique, puis il y a des effets qu'on peut mesurer de manière user-centrique. C'est-à-dire que je peux être sûr que certaines personnes, sûres avec un très haut niveau de fiabilité, que des gens ont été exposés à un spot de pub télé et se sont rendus sur mon business online. En OH, c'est un petit peu plus compliqué, mais aujourd'hui, via des modèles économétriques, via un certain nombre d'approches, on arrive à vraiment estimer très précisément les effets des campagnes OH. Donc, il faut trouver le bon lien, effectivement, et c'est l'enjeu en 2019, entre une acquisition user-centrique et une mesure plus large qui serait économétrique. Mais vraiment, c'est important de réussir à lier le offline et le online, parce que c'est comme ça qu'on est pertinent dans son achat média. Alors justement, on a des moyens aujourd'hui d'exploiter l'audience qu'on a générée en télé sur le digital. Je parlais tout à l'heure de search et d'acquisition. Quand je fais de la télé, ce qu'il faut voir, c'est que sur 100% des gens que j'amène sur Google, je vais peut-être en avoir que 70 qui viennent sur mon site. Parce qu'il y a des gens qui vont finir chez mes concurrents, il y a des gens qui vont taper des mots-clés génériques, si je suis un opticien, qui vont les taper lunettes pas chères et qui ne vont pas forcément finir sur le site de la marque. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en mesure de lier les investissements search d'une marque avec ses investissements télé, faire en sorte de réagir très vraiment à la minute quand je suis diffusé en télé, potentiellement comme mon concurrent, quand un partenaire est diffusé en télé, parce que c'est autant d'occasions pour moi de tout de suite me positionner très fortement sur des mots-clés, sur une marque qui m'intéresse, et de booster mon acquisition. Donc on dépense assez d'argent en télé pour faire en sorte que derrière l'acquisition soit vraiment maximale sur le digital, et on ne parle pas du tout des mêmes budgets, on parle de budgets search qui sont vraiment évidemment pas de la même gamme, on va dire, que les budgets télé. De la même manière, à partir du moment où on a segmenté une audience, donc on a compris que quelqu'un a été exposé à un spot, bah cette audience, on peut la travailler. On peut l'utiliser dans des scénarios d'A/B testing pour proposer, par exemple, à quelqu'un qui a réagi à un spot,
un chemin personnalisé. On sait que les gens qui sont issus de la télé souvent restent un peu moins longtemps sur le site parce qu'ils réagissent beaucoup sur des devices mobiles, par exemple. Moi, si je réagis à un spot sur le tourisme et que derrière, on ne propose pas la bonne destination quand je me connecte sur l'application, je ne vais peut-être pas me compliquer la vie et je vais potentiellement rebondir. Donc, le fait de faire ce genre de scénario d'A-B testing permet vraiment d'optimiser la conversion sur site, mais on peut aussi imaginer derrière retargeter une personne qui a été exposée à un spot télé dans une notion vraiment héroïste, ou utiliser cette audience que j'ai réussi à capter grâce à la télé, parce que cette audience, elle vaut de l'or pour vous en tant que marque. Si quelqu'un a pris le temps de se connecter sur son site, sur une appli en condition de coupure pub, c'est vraiment quelqu'un qui est très affinitaire avec la marque. Donc ces gens-là, bah, je les prends comme référence, je fais du look-alike targeting, je le fais via Google, je le fais via Criteo. Nous, on exporte des audiences et des acteurs derrière qui vont nous permettre d'aller trouver des profils similaires, des gens qui auront de base une conversion beaucoup plus forte que des exposés, des gens finalement hors pool télé. Le dernier point, c'est que, évidemment, la télé aujourd'hui, on l'a vu, hein, d'ailleurs, Clément, comme tu le disais, aujourd'hui, on crée un plan télé, derrière, on le mesure et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Bah, de plus en plus, on arrive quand même à se rapprocher d'un achat télé qui sera à la performance, c'est-à-dire, j'attends pas uniquement la fin de la campagne pour optimiser. Pendant la campagne, j'ai des achats à court terme, j'ai des négociations, bon, ça dépend évidemment avec les partenaires régis, ça dépend avec les agences, mais je suis en mesure de venir optimiser pendant la campagne mon achat média. Nous, on est à peu près sûr d'une chose, c'est que la télé linéaire, c'est quelque chose qui restera tout le temps et qui va coexister avec un certain nombre d'autres modes d'achat, mais cette télé linéaire, elle doit évoluer. Ce sur quoi on travaille, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est même pré-campagne, de pouvoir permettre à des annonceurs qui vont prendre la parole en télé d'avoir un plan média qui soit déjà optimisé avant même de prendre la parole. Donc là, finalement, c'est de la préconisation, de la prédiction média. On peut le faire de deux manières. Soit parce qu'on va avoir un plan télé qui a été déjà fait par l'annonceur, sur lequel on peut déjà estimer avoir un impact, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactif quand on prend la parole en télé, mais ce qui nous permet même à un annonceur, en fonction de ses besoins, en fonction de son but, est-ce que je veux générer des visites, de la conversion, est-ce que je veux générer de la notoriété, purement du business de manière héroïste, de préconiser des plans médias qui sont d'ores et déjà idéaux. Nous, on a la certitude que c'est vraiment en travaillant avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne qu'on va réussir comme ça à booster et à tirer le meilleur parti des investissements en télé, parce que aujourd'hui toutes les études et tout le monde, on voit bien que la télé reste le média le plus puissant en termes de reach, en termes aussi d'image, en termes de premium aussi, puisque la télé évidemment c'est vraiment l'inventaire qu'on achète. Mais il faut que l'achat évolue, qu'on tente vers des médias à la performance. C'est ce qui fait de plus en plus. Et puis, c'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure. J'espère que toutes les marques arriveront rapidement à faire évoluer aussi leur achat dans ce sens-là. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous. Merci, merci. Juste une question, la télé, c'est quoi ? La télé, c'est quoi ? Parce qu'il y a une telle pléthore de chaînes télé, juste en un mot, que quand vous dites télé, parce que vous n'arrêtez pas de dire télé, c'est quelle chaîne en l'occurrence ? Alors moi, je fais ma réponse, après je ne sais pas s'il sera la même. Quand on appelle télé aujourd'hui, c'est vraiment la télé broadcast linéaire, c'est ce à quoi je fais référence, donc c'est TF1, c'est la TNT, c'est les chaînes CAPSAT, ce sont les chaînes en fait qu'on achète encore la plupart du temps au GRP, donc sur lesquelles on cherche une audience. Je ne parle pas finalement, par exemple, de la délinéarisée, la catch-up ou autre, qui sont pour moi des budgets vidéo. Ça passe par une centrale, ce qu'on appelait les centrales d'achat, elles veulent plus être appelées comme ça, mais vous achetez directement ou vous passez par vos centrales, par vos médias planeurs ? Nous, on passe par les agences médias qui vont aller après. Et toi aussi ? Chercher les centrales. Oui, bien sûr. Voilà, bon. Merci beaucoup, donc on se voit là, c'est la pause, merci. Et on se voit...